Vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft modé, et j'ai avancé un petit peu hors caméra histoire que la récolte des ressources ne soit pas trop chiante pour vous. Donc voilà, hop, j'ai voilà ce que j'ai récupéré, pas mal de yellowium ainsi que pas mal de fer aussi, de la redstone, un peu d'émeraude et 12 diamants. Enfin, j'en avais un peu plus, mais j'ai décidé de en faire une pioche, voilà. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer le réacteur. Oui, on va commencer le réacteur. Donc il va nous falloir de la graphite barre. Enfin, il va nous falloir ça. Réacteur casing core. Ça se fait. Ok. 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 Bon, bah on va faire ça. Et puis... je vais faire ça et puis on se retrouve tout de suite, les amis. Bon. En attendant que le charbon cuit pour faire des graphite barres, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis le dernier épisode. Donc, tout simplement, j'ai agrandi un petit peu la base. Voilà, j'ai agrandi un petit peu. J'ai déjà fait le portail du Nether et vous allez voir aussi. J'ai trouvé, en me baladant un petit peu, j'ai trouvé deux donjons du désert. Et j'ai déjà fait aussi la petite table d'enchant. Donc voilà. Par contre, on va dormir un petit peu parce qu'il va commencer à faire noir. Voilà. Allez, cramez, bande de schnappants. Hop. Et là, bah, j'ai encore rien fait, à part mis quelques petites cannes à sucre, voilà. J'ai trouvé pas mal de trucs là aussi, donc je vous ferai voir, vous inquiétez pas. Et voilà, ce que je vous disais, c'est donc ici. Dégage toi. Tu veux bien dégager s'il te plaît. Ne viens pas péter ici. Ah bah voilà. J'avais demandé de pas péter ici. Il faut qu'il pète ici. Voilà. Par contre... ok, merci aux squelettes. Tout de suite d'ailleurs, comme ça je pourrais enlever le curseur, enfin le... elle m'a fait peur le lapinou là. Et là vous êtes certainement en train de vous dire, ouais mais ton four ne va plus là, t'es trop loin, ton chunk est plus chargé. Bah si les amis, parce que n'oubliez pas que dans le mode pack on a un truc. Oh non, je déteste ces bruits. Oh non, je déteste ces bruits. Ah, s'il vous plaît, non. Oh non, pas ça. Ils font ultra mal. Bon, allez, c'est parti.
Voilà. Enfin non, ça va, ils font pas si mal que ça en fait. Et bien sûr, j'ai pas de... Bien sûr que j'ai pas de... Ah non. Ok, il va falloir qu'on descende sans faire de conneries de préférence. Voilà. Donc, on descend tout doucement, tranquillement. Hop, on va enlever ça pour éviter des accidents inutiles. Voilà. Va quand même se faire un passage pour remonter. Et là, on a pas mal de trucs, hein. Hop, on a même des trucs, je sais même pas à quoi ça sert, ok. Bon, on a du sable, pas très intéressant, des os non plus. La ficelle, ça peut toujours être intéressant. Des cendres. C'est de foresterie. Hop, l'or, on récupère. Et ça, c'est des graines de surcroisement. Ok. Bon. Je ne toucherai certainement pas à Botania parce que pour moi, c'est un mode qui est ultra compliqué. Reliquary. Bon, on va prendre au cas où, mais... Et ça, c'est... Under IO Lost Capacitor. Ok. Bon, écoutez, on va récupérer. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais. Ah, mais il y en a. Il y en a de plusieurs styles en fait. Amélioration pour machine. Magic Capacitor. Amélioration pour machine aussi. Oh! Oh, mais j'avais pas vu! Regardez ce qu'on a! Voilà. Et un livre auto-smelt. Nice! Bon, ça, je récupère parce que je vais pouvoir faire du cuir avec ça, en le laissant sécher. Et des rib bones. Je sais pas du tout ce que c'est. Hop. Tac. Tac. Oh bah on en a une deuxième, écoutez. armure en or pour cheval. Okay. Pour chevaux, pardon. Botania. Hop, ça, je vais récupérer. Ah, nice. On trouve des trucs stylés hein, quand même. Hop, ça pas besoin. Voilà. Ça, je vais la récupérer. Bon, ça, écoutez, si on en a besoin, on viendra les chercher. Mais, double hook. C'est quoi ça, double hook? Ça, c'est du copper ingot. Ok. Pas besoin. Ça, on va les laisser, hein. Et ok, bon bah on a tout récupéré. Enfin, tout ce qu'on avait besoin ici, on a récupéré. Donc on va repartir. On va repartir à la base. Et on se retrouve tout de suite, les amis. A few moments later. Bon, les amis, je passais à côté et je me disais, bon bah, tant qu'on est tout prêt, autant le faire. Donc c'est parti, on va se le faire. Ce petit dungeon. Il n'y a personne. Coucou. Y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Du moins, il n'y a pas l'air. Donc... C'est assez dangereux. Je pense que...
Voilà. Donc on a du sable, du tin. Ok, bon, par contre, qu'est-ce que je vais pouvoir jeter là? Qu'est-ce que je vais pouvoir jeter? Hop, là on a tout. J'ai plus de place. Oh! Oh! Alors, ça. Est-ce que ça protège plus que. C'est à peu près le même en fait, hein, si je ne m'abuse. Ouais, par contre, les pommes en or. Ça, c'est bon, quoi. Hop. Et on a une deuxième épée. De l'end. De l'ender, pardon. Et un bouquin flame. Très bien. Oh non, mais c'est une blague, ça. Oh. C'est juste une grosse blague. Il y a tellement de stuff. J'ai même pas assez de place pour tout récupérer en vrai. C'est quoi ça? Toucher de soi. Oh. S'il vous plaît. Hop. Non mais c'est bon quoi. Au bout d'un moment. C'est bon. On a tout ce qu'il faut quoi. Les épées, on a que ça quoi. On a 1, 2, 3, 4, 5 et un bâton de voyance. Au bout d'un moment. Encre de voyage apparaissant lorsque. Activé par un clic D. C'est quoi ça, un clic D? Ah, clic droit, téléporte le joueur sur une courte distance. Ok! Bon bah là il n'y a pas d'énergie dedans. Mais ah, ça absorbe 50% de dommages. Bon, bah écoutez, je vais retourner à la base et puis, enfin à la base, à la maison et puis je vais revenir ici. À tout de suite. Bon voilà, j'ai commencé à faire des réacteurs casing. Malheureusement que j'avais pas assez de graphite bar, donc je recommence. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir combien de casings il me faut. Normalement, si je me trompe pas, il m'en faut 21. Pour pas me tromper. Alors, je fais de quel côté? Oui. Le petit réacteur, le plus petit, c'est 1, 2, 3, 3, 3, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, ouais, 22. Attendez. Ouais, 22. M'en faut 22. Parce que là, il y a le contrôle réacteur contrôleur. Là, il y a le truc pour refaire sortir la cyanite. Et là, c'est pour sortir l'énergie. Ok. Donc, il m'en faut 21. Ok. Donc, on va voir ce qu'on peut déjà faire là maintenant. Hop. Hop. Donc, il me refaut ça. En sachant que ça donne par 4.
Donc là, on en a 8. Non, c'est pas ça. Seize. Non, 12. 16. 20. 20. Et m'en reste un. Enfin, m'en reste un peu plus, quoi. Et ça, c'est impeccable. Voilà, maintenant, on va faire ça. Ouh, ça coûte cher. Donc, il faut que je refasse des casings. Mais pour ça, il faut que je refasse ceci. Voilà. Hop, voilà. Et il me faut 2 diélorium. Ça va vite à faire. Il me faut 2 diélorium et 1 diems. Hop. Il est où? Il est là. Impeccable. Alors, il est là. Notre petit champion. Notre petit champion, n'importe quoi, moi. Il me faut ça. Voilà. Et il me faut celui-là, si je me trompe pas. Par contre, il me faut un coffre et un piston. Ok. Le craft du piston, je m'en rappelle plus. Voilà. Il me faut un peu de bois. Est-ce qu'il est parti mon bois? Je suis complètement aveugle, je le vois pas. Ici et là. Ok, impec. Donc il me faut un coffre. Tac. Voilà. Il me faut un piston pour faire ceci. Hop, le piston. Ok. Voilà. Et là, on peut faire notre. Voilà, on a tout. On a tout pour faire notre casing. Ah non, non, non. Il me manque un truc, pardon. Excusez-moi, il me manque ça. Ah, c'est pas encore trop cher. Il est où? Hop. Voilà. Allez, passe, merci. Texture ne se connecte pas. Ah bah c'est pour la simple et bonne raison, c'est que voilà, j'ai mal prévu mon coup et j'ai plus de casing. Et de plus, il manque ça. Attendez, il est où? Ça ici. Mais j'ai plus de graphite barre. Donc on va faire ça tout de suite, hein, n'est-ce pas? Hop, voilà. On va se refaire un petit peu des graphite barres. Il nous refaut. Il va nous falloir pas mal de casing. 2. 6.
Seekazing. Problème, c'est qu'il se donne par deux. Donc, ouais. Ok. Donc voilà, je crafte ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, je viens de terminer de crafter ce qui me restait à crafter. Et puis maintenant, voilà, me retépais pas en arrière, s'il te plaît. Voilà. Donc là, maintenant, attendez, hop. Voilà. Tac, tac. Voilà. Et là, il vient de se relier. Voilà. Donc, on va pouvoir retirer de l'énergie ici. Et puis, aussi, on va pouvoir l'alimenter en Yellorium. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout à combien de minutes j'en suis. Je vais regarder un petit peu. Et puis, si on a encore un peu de temps, les amis, je ferai avec vous la query. Mais je suis pas sûr d'avoir assez de minerais. À tout de suite. Bon, les amis, pour relier mon réacteur, j'ai besoin quelque chose d'Underio, qui est les conduits d'énergie. Mais le problème, c'est que ça coûte plutôt cher et ça prend assez de temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, regardez, pour des simples conduites de Underio, donc je vous parle même pas des conduites améliorées, ok? Je vous parle des conduites d'énergie normale qui sort du 640, du 640 RF par tick. Et il me faut du fer conducteur et du amalgame de conduit. Le problème, c'est que voilà, il me faut de la composite amalgame, j'en ai pas. Ou bien il y a une autre solution, c'est que la composite amalgame, on peut la crafter avec du gravier, du sable et de l'argile. Le problème, c'est que l'argile, il va falloir aller le chercher. Donc, on va y aller chercher ça tout de suite. Et bien sûr. Voilà, toi tu meurs, voilà. Hop, donc on va aller chercher de la terre cuite, enfin de la. Enfin, si on en trouve aussi, parce que. Regardez, juste là. Ah non, non, c'est du sable. Non, non, il me faut de la terre cuite. Il me faut de la terre cuite. Ah voilà. Hop, voilà les amis, j'ai ce qu'il faut. J'ai la terre cuite. Enfin la terre cuite, tout à fait. Enfin l'argile, pardon. Et donc là, on retourne à la base. On va faire. Par contre, il me faut peut-être un peu de sable. Ça, je suis pas sûr d'en avoir de peu de sable. Est-ce que j'ai un peu de sable? Ah oui, j'ai un peu de sable, mais vraiment un tout petit peu de sable. Donc on va aller en chercher. Allez, go, c'est parti. J'ai tout pour faire les cobbles.
Ça ici. Il manque du gravier, il me dit. Bah oui, bien sûr, le gravier ici. Voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Parce que il n'y a pas besoin de se casser la tête. Hop, on va en recrafter un. Voilà. Et ça, il suffit de les mettre pouf dans le four et on va obtenir, voilà, on en obtient deux, il nous en faut six, c'est ça. Donc il nous en faut six et maintenant on va s'attaquer à ça. Ah. Alors, le fer conducteur, on peut le faire avec le alloy smelter. Sauf que le alloy smelter, il faut le construire. Et c'est pas pour rien le coco. Ok, donc là il faut du copper, des pépites d'or. Ok. Ok. Donc, pour faire ça, il nous faut une alloy smelter. Je regarde avec, si on peut pas le faire avec autre chose. Non, la smelterie, non. Non, c'est conduit d'iron, donc non. Induction smelter, ok. Donc, le mieux de tout, ça va être ça, qui est beaucoup moins long à construire. Donc, on va construire ça. Hop. Il nous faut trois fours et un chaudron. Et ça. Il nous faut ça déjà. Il nous faut, ok, 4 pépites d'or et un copper. Ça, du copper, je dois en avoir. J'en ai, mais il n'est pas fondu. Tout. J'en ai ici du copper. Mais j'en ai pas assez, si je me trompe pas. Si, il m'en faut qu'un. Ok. Donc, un peu d'or. Hop. Par contre, on va. Non, je vais les garder au cas où. Ok. Ouf. Ouf, ça m'en donne un peu beaucoup. C'est pas grave. Hop. Donc il me faut ça. Ok, ça je l'ai. Bon, maintenant il me faut les barreaux. Quand même, ça redonne 16 hein, là. J'ai truiné en fer là déjà. et là, il me faut. Ok, donc ça, on l'a, voilà. Maintenant, je dois faire trois fours. Voilà, j'ai mes trois fours, très bien. Hop. Par contre, tac. Ok, c'est ça qu'il me faut, le chaudron. Plus beaucoup de fer déjà. Ça part super vite. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Et là, on a tout. Voilà. Et là, il nous faut juste un peu de fer et de la redstone. Ce qu'on a. Hop, on va dormir un peu parce qu'il fait nuit. Et voilà. Hop.
On n'a pas de mob dans les alentours, c'est très bien. Faut juste que je mette ça. Normalement, si ça je le mets là, ça me dit no power. Ok. Maintenant, si j'allume le réacteur. Ok, il charge. C'est très bien. C'est ce que j'attendais. Il m'en faut 3. Donc voilà les amis, j'ai mon fer conducteur qui est fait. On peut retourner à la base. Et on va pouvoir se faire nos premiers câbles. Donc on en a 8. Et ça, c'est très bien. On va pouvoir relier derrière. Voilà. Ça. Ça dégage. Hop. On va pouvoir faire. Hop, voilà. Et on va pouvoir faire. Hop, voilà. Donc là, il est relié là. On mettra la query ici. Et vous allez voir. Et au par après, le réacteur nucléaire. Nucléaire, oui. Le réacteur Nickelère, nucléaire. ça se prononce Nickelère. Voilà. Ce qui se passera par après, c'est que je vais l'éteindre. Parce que. On n'a pas besoin d'utiliser l'énergie comme ça. Déjà, on n'a pas beaucoup d'hélorium. Donc voilà, les amis. Dans l'épisode prochain, on fera la première query. Donc, on fera avec le mode. Attention. RF Tool. Voilà. Et ça s'appelle le. Ça s'appelle le. Ça s'appelle le. Je sais plus. Oui, ça s'appelle le Builder Block, voilà. Par contre, je le trouve pas. Si. Voilà, il est là. Et vous voyez qu'il faut quand même une Underpearl. Non, ça va encore. Ça va encore. Il n'est pas encore très très difficile à construire. Il faudra juste. Aller rechercher un petit peu des minerais. Donc ça, je ferai ça hors caméra pour éviter que ça vous embête. Il faudra de la brique aussi, ok. Ouais, en fait, ça, il y aurait possibilité de le faire là maintenant, mais on va s'arrêter ici pour le moment. Parce que on est déjà à. On est déjà à. 15 et 22, ouais, on est déjà à 26 minutes de vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine, je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde. Peace. Attendez, on va faire peace comme ça. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Peace. Pourquoi j'ai un point d'interrogation là? Oh. We'll be right back.